Ben, shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous parle depuis la ville de Munich. Je suis bel et bien en Suisse et à Zurich plutôt. Je suis bel et bien en Suisse et à Zurich. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Le vol s'est bien très bien passé hier. Voilà, par la grâce de Dieu, je suis bien arrivé hier à Zurich. Je vais faire une heure pratiquement de vol. C'est bien passé. Une heure de vol, je suis bel et bien à Zurich. Voilà le paysage. Voilà. Voilà, je suis très bien arrivé. Je suis bel et bien à Zurich. Tout va bien par la grâce de Dieu. Très bien logé. Tout le monde très bien logé par la grâce de Dieu. Tout va bien. Hier, nous avons eu une réunion technique avec le comité d'organisation. Je soulignais justement que c'est une famille qui m'a invité. Mes enfants spirituels qui m'ont, n'est-ce pas, invité par rapport à, n'est-ce pas, les aider, leur apporter un soutien spirituel. Et en même temps, ils ont voulu que j'en profite de mon séjour sur le sol suisse, en fait, de pouvoir aider, n'est-ce pas, des personnes en difficulté. Voilà, merci maman Dorine Osso, que Dieu te bénisse. Voilà, donc j'en veux que j'aide en même temps pendant mon séjour des personnes en difficulté sur le sol, n'est-ce pas, de Zurich. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc hier on a essayé d'échanger. On a échangé sur beaucoup de choses par la grâce de Dieu. C'est ton tout compris mon billet d'avion et je suis très bien arrivé. Ils m'ont très bien logé là. Voilà, très bien. Je suis le seul nègre. Parmi tous les blancs ici, je suis le seul noir. Voilà, donc tout va bien ici à Zurich. Je suis à Zurich par la grâce de Dieu. Nous allons, n'est-ce pas, aider à partir. Le programme démarre ce soir à partir de 19h. 18h plutôt, heure de Zurich. Le programme démarre ce soir à partir de 18h de Zurich. Parce que je suis en Suisse, les manifestations ne vont pas au-delà de 23h. Voilà. Toutes les manifestations doivent s'arrêter à 23h. Voilà, donc toutes les manifestations doivent s'arrêter à 23h. C'est comme ça, c'est une loi ici suisse. Et donc, c'est pour cela que nous allons démarrer à 18h le programme de ce soir et s'arrêter, n'est-ce pas, 18h pour 22h. Nous démarrons à 18h et nous finissons à 22h. Il n'aura pas proprement dit comme de veiller comme la France. Voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Le séjour, il est vraiment béni. Voilà, il faut du tout être en VIP, ils sont allés me chercher. C'est les blancs qui sont allés me chercher, tout ça. Là, c'est le blanc qui m'a conduit jusqu'à ici. C'est ma fille spirituelle, son mari est blanc. Voilà, donc toute cette communauté-là, merci. Et puis, voilà, ses frères sont arrivés de Paris, et sa famille. Donc, je vais d'abord m'occuper de cette famille aujourd'hui, ce matin. Et après ça, permettre aux gens qui sont en Suisse de bénéficier de la grâce que suit mon ministère. Voilà, sinon tout va bien. Hier, je suis parti de la Belgique. Voilà, les gens te plaignaient, tu es en Belgique, tu n'as pas cherché un nouveau. Je n'étais pas venu en Belgique pour faire busy. J'étais venu justement en Belgique pour régler certaines choses et puis retourner. Voilà, donc si vous voulez que le prophète Joël Crasso vous aide, invitez-moi. En doute et bonne forme. Vous m'invitez comme a fait les gens de Suisse, de Zurich. Vous m'invitez, moi je viendrai en Belgique pour vous aider. Je ne peux pas être en train de faire mes affaires. Allez, et puis vous allez profiter de ça pour... Non. Si vous voulez me voir en Belgique, surtout à Bruxelles pour vous aider, parce que moi quand je suis rentré, mes jours étaient vraiment limités sur la Belgique, et très limités. D'ailleurs, je suis venu, j'ai préféré prendre la voie routière pour ne pas rater mon vol. Voilà, donc j'ai pris la voiture jusqu'à Paris, Charles de Gaulle, pour prendre mon vol pour, n'est-ce pas, vous êtes à Zurich. Donc tout va bien ici par la grâce de Dieu, tout va bien. Le Seigneur, le séjour est très agréable. Je vais en profiter de cette vidéo parce que depuis 2 jours, il y a eu un souci au niveau de les gens de Toulouse. Voilà, Toulouse. Parce qu'au fait, il faut que j'explique bien les choses. Ce sont les gens qui m'ont fait venir. Et ça les préoccupe aussi de mon image. Comment préserver mon image, mon séjour, tout ça. Donc, quand on invite le prophète Crasso, par exemple, en Toulouse. Comprenez? Ils se posent des questions. Est-ce que le prophète... Bon, le problème, c'est qu'à Toulouse, ils veulent décaler parce qu'il y a un petit souci. Bon, c'est pas trop grave. C'est un problème peut-être de salle,
un peut-être souci au niveau du comité d'organisation. Donc on a préféré décaler les dates de Toulouse. Et cette fois-ci, la surprise, la grande surprise de Paris, je serai ce week-end à Paris. Ce week-end-là, c'est pour Paris. Et je vous informe que la salle a été déjà prise par des gens parce qu'ils ont dit le prophète a déjà trop parlé pour Paris. Donc les gens ont pris la salle du vendredi 7 jusqu'au dimanche 9. C'est pour Paris. Du vendredi 7 avril, ce vendredi le week-end, jusqu'au dimanche 9, nous serons à Paris avec le comité d'organisation. Je vous informe que ça sera vraiment un programme sur haute sécurité parce que c'est vraiment quelque chose de très propre. Voilà, quelque chose de très propre. On avait décidé comme justement d'aider quelques enfants spirituels. Donc, ces enfants spirituels-là ont décidé qu'on prenne... Et donc, on a pris une salle de 500 places. Donc, il n'a pas assez de places. Vous devez déjà appeler. C'est sur 3 jours, sur Paris. Voilà, Paris, c'est sur 3 jours. Et vraiment, il y aura la sécurité. La police s'est impliquée dedans, la police française, pour la sécurité de ce programme. Voilà, la police française, c'est les Blancs même qui ont la salle, c'est eux-mêmes, la caméra surveillance sur la salle, donc il y aura la sécurité. Vraiment, il y aura la sécurité d'État. L'adresse en haut, l'adresse, quand je finis la vidéo, l'adresse en haut de n'est-ce pas, de la vidéo. Voilà, j'ai titré avec l'adresse. Voilà, donc c'est confirmé que le programme serait sous haute surveillance. Il y aura, n'est-ce pas, la police française qui va veiller sur la surveillance de chacun d'entre nous. La police française, tout ça. Et c'est une femme, une dame, une française. J'appelle la salle. Il y a des caméras de surveillance, tout ça. Donc la police française me veillera sur le programme et tout ça. Il y a une caméra depuis la salle et jusqu'à à la police. Voilà, dans la police française. Donc, c'est toute cette confirmation-là, j'ai validé. Voilà, ça sera vraiment du balèze. Parce que. J'ai parlé, j'ai dit, il fallait que, parce que tout le temps, le prophète Crasso, quand il est invité à Paris, c'est lui qui prenait les salles. Donc, les enfants ont dit, bon, fouettés par leur orgueil, ils ont dit, ah là, nous ne sommes pas comme les autres, nous allons décider d'inviter notre papa. Ils ont pris les salles, nous viendrons tous. Ouais, donc je serai à Paris ce week-end, du 7, vendredi 7, samedi 8 et 9 dimanche. Donc, on va célébrer la victoire de Jésus sur la sorcellerie. Voilà, donc la salle est sécurisée, il y a la caméra de surveillance, et cette caméra elle est reliée à la police, au commissariat, et la police viendra, n'est-ce pas, assurer la sécurité, justement pour ne pas que, pour que tout le monde soit en sécurité, c'est tout. Voilà, pour que tout le monde soit en sécurité, il n'y a pas autre chose que ça. Voilà, pour que tout le monde soit en sécurité, voilà, donc parce que les gens ont peur de grandes manifestations à Paris, les djihadistes, etc. Non, il y aura une surveillance parce que la police même impliquée dedans. Voilà, donc il y aura de la surveillance, il n'y a pas de souci. Donc je serai à Paris. Voilà, donc après Zurich, nous attendons Paris. Voilà, nous attendons Paris. Voilà, donc non, laisse tomber, je serai à Paris par la grâce de... Ce n'est pas tout le monde qui m'insultait à Paris, ce sont pas tous. Voilà, ce sont pas tous. Voilà, donc je serai à Paris ce week-end. C'est parce que, il y a les djihadistes, il y a les temps, attentats par-ci, par-là. Voilà, qu'on a décidé que la police va veiller sur la surveillance de la salle. Il y a une caméra de surveillance. Il va veiller sur tout ça. Donc, tout le monde sera en sécurité. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Tout le monde sera en sécurité. Voilà. Voilà, donc, mais la salle n'est pas grande parce que Paris n'était pas dans mon programme. Voilà, Paris n'était pas mon programme, ils ont juste pris une salle. Bon, ils ont dit, mais il faut qu'on aide aussi d'autres personnes pour que d'autres personnes aussi viennent participer à ce programme de Paris. Donc, ils ont pris 500, c'est une salle de 500 places. Voilà, donc, essayez déjà d'appeler les numéros afin de pouvoir vous inscrire. Parce que programme, ce serait des programmes de soirée, les soirs, délivrance, samedi soir, et en même temps suivi de réception et de délivrance dans les différentes familles. Donc, voilà, Paris sera servi ce week-end-là. Et après Paris, nous allons attaquer Bordeaux, nous allons attaquer Marseille. Donc toutes les villes de Paris sont en train de se mouvoir, de la France. Voilà, donc c'est pour dire, tout va bien. On m'a présenté croissant, il me prend un croissant et tout ça. Il dit, moi là, je ne suis pas dans vos trucs là. En ayant moi un petit déjeuner, laissez ça. D'ailleurs même, je ne fais pas petit déjeuner maintenant. Moi, je fais grand. Je ne suis pas dans petit, je suis dans grand déjeuner. Donc, enlevez-moi vos croissants, petit.
Ce matin, on m'appelle, on dit, ah, monsieur, déjeuner. Je dis, c'est quoi? On m'apprend un paquet de croissants, les trucs. Elle est quittée devant moi. Moi, je ne suis pas dans vos trucs. Moi, c'est un mangeur de riz couché. Moi, riz couché, c'est ça qui me donne assez de force. Voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Les enfants sont très bien occupés de moi hier, bien mangé. Voilà, bien mangé. Oui, mais ils me présentaient des croissants, ils disent, petit déjeuner. Il y a beurre, il y a, je ne sais pas, saucisse, quoi. Tant. Et madame, moi, là, j'ai mal recouché. Hein. Vous m'enlevez ça. Sorti, cliti, couché. Reste tranquille. Ça peut tuer. Hein. Laissez-moi ça. Nous, chez nous, au pays, là, quand je l'aime, madame, c'est Gaba, à Kéké, un poisson ton. Reste tranquille. Vous envoyez les petits croissants bizarres, 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 bizarres devant l'homme. Mais je recouché. Et chacun sait ce qu'il mange pour avoir force. Hein. Nos parents, là, c'est ricochet, manger, ils marchent 10 km pour aller faire 10 hectares de cacao. Voilà, nous on est dans le fait des croissants, on fait comme les blancs, on a maladie des blancs. Moi, je suis un villageois. Je ne suis pas dans vos histoires de croissants. Je suis un homme du bled. Voilà, donc ça veut dire on va mater la sorcellerie de Paris ce week-end-là. Du 7 au 9. Ne ratez pas ça. Paris n'était pas dans mon programme. Paris n'était pas dans le programme. Et puis voilà. On m'appelle changement de dernière minute parce que Toulouse compte améliorer un peu leur programme parce que il faut régler beaucoup de choses pour bien recevoir le maréchal. Voilà. Donc, parce que moi, c'est le comité d'organisation depuis Lyon qui échange avec moi et j'appelle. S'ils constatent que dans l'organisation, il y a les petites failles. Donc, ils en parlent, discutent. Voilà, puis on reporte pour ne pas que le prophète arrive peut-être à Toulouse et qu'il ne soit pas bien, il soit pas à l'aise dans sa peau. Parce que cette fois-ci, franchement, je dis chapeau au comité d'organisation depuis Toulouse. Franchement, qui c'est vraiment, se met à corps et âme pour ma tournée, n'est-ce pas, européenne. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Franchement, super à vous, le comité d'organisation. Vous appelez les différents, c'est le même numéro. Voilà, le même numéro, vous appelez depuis Lyon. Vous appelez le numéro secrétariat de Divo, il vous donnera le numéro de Lyon. Voilà, et puis à partir de là, maintenant, vous inscrivez. Et à Paris, nous allons aller faire beaucoup de, n'est-ce pas, de... Nous ferons beaucoup les familles. Ne manquez pas. Voilà. Donc tout va bien. Ici à Zurich, tout va bien. Voilà. C'est que les gens voulaient me donner croissant matin. Là. Ils m'envoyaient paquet, il y a croissant, il y a petit beurre, il y a saucisson. J'ai dit, madame, est-ce que vous me connaissez? Moi là. Et moi, Eric Couché, sauce ticlity. Donc vos histoires là, nous ça du moment. Je ne suis pas dans vos croissants, je ne suis pas dans ça. Je lui ai dit ça, madame, moi quand il me lève matin, là, je mange, recouché, c'est pas me trouver recouché, c'est garba, chiqui, et pas son ton. Dans vos histoires de beurre, croissants, tout ça là, c'est quoi, jabon, ou quoi là, confiture. Allez, devant moi. Laisse ça devant moi. Moi, je mange recouché. Ah, ils ne jettent pas papier à terre. Hein. Qui vont dire, tu jettes papier, on dit, Madou, viens. Il faut prendre papier là, va jeter dans la poubelle. Allez. Ceux-là sont très propres. On n'a qu'à faire un jour comme eux, nous les Africains. Ah, sur le paysage. Voilà. Ils m'ont mis près de l'eau. Ils sont très propres ici. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu.
Donc, concert à Paris. Ce soir, j'ai un programme ici à Zurich. On a un programme à Zurich. C'est Suisse, Zurich. C'est Suisse, la Suisse. C'est pas Divo, hein, c'est Suisse. Yeah. Chez nous, on est expert en jeter papier. Jette. Tu as fait ça ici. Allez faire prison. Non, faudra la chute habitat, ça, même si je suis villageois. Ma maison est climatisée, ma voiture est climatisée, mon salon est climatisé, donc froid là même, là, j'ai banalisé ça. Moi-même, j'aime froid. Non, je vous informe que je suis sur ma page Facebook Live, donc je chante un closé avec des personnes qui écrivent. Hein. Voilà, donc je suis sur ma page Facebook Live pour donner de mes nouvelles depuis Zurich. Voilà, tous mes amis spirituels, mes amis... Non, pas Suisse de Divo. Suisse ne peut pas être à Divo. Je suis désolé. C'est nous, on doit faire comme eux. C'est un gars de Divo à Suisse. En Suisse, voilà. Sinon, tout va bien. Voilà, donc ce week-end prochain, nous serons à Paris. Voilà, Paris. En Paris. Par la grâce de Dieu. Tous les enfants spirituels qui sont attachés au prophète, qui veulent voir l'Afrique se développer, tous les gens qui aimeraient voir l'Afrique se développer, qui aimeraient voir la sorcellerie matée, qui est révoltée, des personnes révoltées contre le fétichisme, contre l'occultisme, doivent participer au programme de Paris. Tous ceux qui ne se reconnaissent pas en tant qu'enfants du diable, et qui sont véritablement enfants de Dieu, révoltés contre la sorcellerie, révoltés contre l'occultisme, révoltés contre le fétichisme, doivent participer au programme de Paris. Vous devez venir le 7, 8, 9. Paris n'était pas dans mon programme, mais ceux de Paris ont pris le plat peine de, n'est-ce pas, régler les salles. L'adresse est en haut de la vidéo. Et je vous informe que je suis sur ma page Facebook, ma Facebook Live. Voilà, donc tout va bien. Ouais, le voyage s'est bien passé. Je toucherai tout le monde. J'ai une grâce particulière, des miracles authentiques. Des paralytiques m'ont laissé. Ouais, tous ceux qui sont révoltés contre la sorcellerie, je précise très bien. Écoutez, quand on est révolté, on se met dans la chose. On se met dans la chose. Révolté contre la sorcellerie, contre le fétichisme, contre le maraboutage, contre toute forme de cultisme. Doit être à Paris, à cette salle-là. Tous les Parisiens doivent être là à partir de ce vendredi. Voilà, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. J'attends parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé. Beaucoup sont ceux qui ont appelé pour le programme de Zurich. Voilà, donc ce matin, je suis sorti là pour vous donner de mes nouvelles. Je n'ai pas pu le faire parce que mon logé en haut là. Mon logé là-bas. Il m'avait logé en haut là. Donc j'avais un problème de connexion. Donc quand je suis arrivé, je n'ai pas eu le temps de donner de mes nouvelles. Ok. Voilà. Donc tout va bien par la grâce de Dieu.